Il me dit, j'ai mis si ça met que le véhicule n'est pas vendable, c'est qu'il faut encore attendre 30 minutes. Il fait oui, je pense, ou trop pourri, peut-être essayer avec un autre véhicule. J'ai fait c'est un Mesa Custom, ça devrait le faire. J'ai essayé avec le camion que tu as vu, mais ça fonctionne pas, mais ça doit être parce qu'il est trop pourri. J'ai fait là, c'est un Mesa jaune, mais il le veut pas. Bon, allez, les 31, je vais essayer. Et sinon, on va le planquer quelque part. Ouais, bah ouais. Je reviendrai quand il y aura personne sur le serveur. Ouais, non, vas-y, on se casse. Ça va. On va le planquer quelque part. Où est-ce qu'on pourrait le planquer? Un endroit loin des flics, déjà. Et loin de ce point-là, quand même. Parce que ça les amène pas ici, tu vois. Il avance de ouf, hein? Ouais. Ici aussi, il faudra aller chercher. Ici, là. Ah oui, ouais. À la carte, là. On va voir s'il n'y a pas un point ici. En vrai, t'as juste à garer le véhicule dans une. Comment? Tu sais, une petite rue. Dans les villas là-bas. Derrière un bâtiment. Aïe. Faut pas le casser. Il s'envole beaucoup trop vite. Genre là, tiens, regarde. Tu peux pas le mettre là. Ici, là. Entre les deux camions, franchement. Personne va venir ici. Hein. À part peut-être le propriétaire, une fois qu'il l'aura assuré. Ouais. Ouais, mais ça, on verra. Bon, allez, je descends. Vas-y, hein. Je peux rouvrir. Ok, bon bah nickel. Mais si, il y a des trucs dedans. Bah moi, il y avait rien quand je suis grimpé. Hein. Il y a des trucs dedans, frère. Je te jure que moi, il y avait rien. Ou c'est parce que j'ai débloqué peut-être. Oh papa. Ah bah si, là, y a, ouais. Bon, bah, ouais. Des canapés, des arrosoirs, des pots à plantes. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mec, c'est un jardinier en fait. C'est quoi, contrat d'échange de quoi? Voiture ou arme, ça? Arrosoir. Pots à plantes, on s'en tape en fait. Ouais, c'est pas ouf. Je pensais qu'il y avait mieux. Attends, vas-y, attends. Viens. Attends. Ah, mais je sais pas ce que je vends, moi, là. De quoi? Vendre à la personne, société 1, société 2. J'essaye ou pas? Oula, franchement, je sais pas. Hein. C'est quoi la plaque? A, W, Y, M. On essaye ou pas? Vas-y, je sais pas ce que ça fait alors. Utiliser. Ce n'est pas votre véhicule. Oh ta mère! Dommage. Je suis dégueu. Bon, c'est bon, je peux remonter dedans. Nickel. Allez, vas-y, on ferme ça. Ferme la porte, putain! Qu'est-ce qu'il est con. Bon, bah, du coup, on a gagné un contrat d'échange de véhicule. On a gagné une canne à pêche. Ouais. Allez, vas-y, tu peux enlever ton masque, hein. Là on a rien à se projeter. Hein. Brinks. C'est la Brinks? Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Je cherche Aiden. Aiden. Ouais. C'est moi. Ah, Pierce, il est là. Ouais, dis-moi. En fait, ça tombe bien en plus que t'es un collègue. J'aimerais savoir, les gilets pare-balles, c'est l'armurerie qui vous les vend? Affirmatif, mais ils sont marqués police ou shérif. Ah oui, je sais pas s'ils ont s'ils ont reçu les gilets Brinks. Ok, faudrait voir ça avec eux. Ok, ouais, mais comme ils sont pas en ville, je voulais me renseigner un petit peu avec ouais, vous. Ouais, non, mais c'est moi, ta vie a été patron vigneron, toi? Ouais. T'as été convoqué ou pas? Non, pourquoi? Pourquoi, Gessio? Attends-toi à être convoqué. Attends-toi à être convoqué, c'est tout. Car vous étiez vigneron aussi, monsieur? Ouais, j'étais le copDG. Ok, donc, bah attendez-vous à être convoqué. Voilà, c'est tout. Et après nous, il y a eu monsieur Vigny aussi. Il va être convoqué aussi. Ouais, mais il pourra pas revenir. Vigny Terranova, il est plus là. Ouais.
On lui avait laissé l'entreprise. Mais voilà, mais juste du coup... comme ça. Ok. Voilà. On vous donne pas plus d'informations, vous saurez ça en temps et en heure. Ouais, pas de problème. Voilà, monsieur. Donc maintenant, vous êtes à la Brinks. C'est ça. Ça va, ça se passe bien? Ouais, très bien, très bien. Franchement... Ah, bah, vous hésitez pas, si vous vous sentez en insûreté, vous appelez. Bah, j'ai appelé déjà 2-3 fois. Hein. Bah, déjà hier, j'ai appelé. Parce que j'étais pas là hier, donc... Ah, bah, il y a un véhicule suspect avec des hommes masqués qui sont rentrés dans la Brinks. Ah, oui. Du coup, bah, j'ai appelé directement le standard. Ils sont où, vos locaux? Comment on pourrait dire? Ils sont pas très loin, en vrai. Hein. L'Union Depository? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Ouais. Mais après, ouais, j'essaie de me renseigner surtout pour les gilets, là. J'essaie de me renseigner pour les gilets, parce que... Bah, attends, je te coupe. T'as dit quoi, là, monsieur la queue de cheval? Monsieur la queue de cheval. C'est Rémi Dubois. Et en gros, bah, une fois c'était un 4x4 là, et l'autre fois c'était des motards qui m'ont encerclé en fait. Des sortes de grosses motos cylindrées type un peu biker. Ouais, ok. Et du coup, bah, ils m'ont suivi au moins, on va dire 5-10 minutes. Ils m'ont entouré avec leurs motos et tout, mais on savait, ils m'ont rien fait, ils m'ont parlé un peu et ils sont repartis. Mais ouais, très suspect. Hein. Du genre, ils nous suivaient pour voir notre trajet, etc. Ouais, mais c'est pour ça que j'essaie de me renseigner pour les gilets pare-balles, parce ouais, que... Ouais, mais changez-vous au trajet régulièrement aussi. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait, du coup. Bah, c'est ça, mais en fait, c'est que souvent, on tombe par hasard sur une personne, et au bout de 2 minutes, il y en a 4, puis... C'est ça, bah, c'est ce qui s'est passé au début, ils étaient 2, et après, j'en ai vu 5, 6. Ouais, bah, ils appellent du renfort, quoi. Voilà. C'est ça, et... Vous êtes équipés comment, messieurs? Pour l'instant, bon, on a juste cette tenue-là, et on a un pistolet de combat. Voilà. D'accord. Vous êtes Brinks, je crois, normalement, selon la législation, vous devez avoir autorisation au fusil à pompe. Ah. Ouais, mais je pense que c'est. Je pense qu'il y a un PPA spécial. Faire, hein. Normalement, c'est le PPA2, c'est le même que pour le pistolet de combat. Ah, ok, bah faut avoir avec le patron. Vu que c'est des armes répertoriées. Excusez-moi, vous êtes en train de quoi? J'ai une petite absence. On discutait des équipements que possède la Brinks. Parce que, et par exemple, le taser, c'est pas autorisé pour la Brinks? Normalement, le taser, vous avez. C'est difficile à dire. Non, mais après c'était juste une question. C'est hein, cas où, en fait, le taser que fournit l'Abunation, c'est le taser qu'on utilise nous, c'est le X26, je crois. C'en est un qui claque à 50 000 volts, donc il est assez parce que moi je vous cache pas que bon, il est assez répertorié là-dessus, quoi. On va dire que c'est assez dangereux, donc c'est pour ça qu'il est utilisé par des agents habilités, donc je sais pas si en tant que Brinks vous y avez accès ou pas. Je sais qu'il est soumis au PPA2, mais est-ce que vous y avez accès, ça c'est une autre histoire. Moi, donc, je demanderai à l'armurier peut-être. Moi j'ai entendu tout à l'heure, parfois tu tombes sur un mec, puis 2, puis 4, puis 6, puis machin truc, quand c'est comme ça, vous faites un appel police pour une escorte. Hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais j'ai appelé après, directement. C'est surtout que même s'il n'y a qu'une seule personne, quoi, je préfère quand même lui foutre un coup de taser, reprendre mon camion et me barrer, plutôt que d'aller lui tirer une balle dans la jambe ou un truc comme ça, quoi. Après, si tu te sens menacé et qu'il te braque, tu tires. Hein. C'est légitime défense. Hein. Ouais, mais je préférerais quand même, tu vois, limite lui mettre un petit coup de taser comme ça. 60 avec les personnes de la Brinks devant comme ça. Le mec qui pendant quelques secondes il est inactif entre guillemets. Moi je remonte dans mon camion, je verrouille le camion, ça peut plus rien m'arriver, quoi. Et derrière, ouais, je vous appelle en me disant que voilà, le mec je l'ai tasé, mais par contre, voilà. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est. Après, je verrai ça avec le patron de l'armurerie. Voyez avec le patron de l'armurerie ou avec. Sinon, après, s'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas vous le fournir, voyez pour un comment ça s'appelle merde. Au niveau du gouvernement, vous pouvez pas en passe droit, mais entre guillemets merde, une autorisation. Voilà. Non, mais j'essaie de revoir avec le gouvernement. Ok, mais c'était pour avoir ces informations. C'est bon à savoir. Hein. Moi c'est la seule chose que je peux vous dire pour que vous soyez en sécurité, messieurs. Ouais, après ouais. Je peux pas faire plus, hein. c'est très bien déjà savoir qu'on peut peut-être avoir un fusil à pompe, déjà c'est plutôt intéressant aussi. Moi je suis désolé, mais tout convoyeur de fou, c'est clair. Pourtant j'étais à Atlanta, je les ai croisés plusieurs fois. Atlanta c'est quand même une grosse ville, les mecs on les voit. Je pense que Hayden à Los Angeles peut dire la même chose. Les mecs, ils sont des fusils à pompe, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas des armes d'assaut, mais ils ont des fusils à pompe. Ouais, c'est des armes à courte portée, mais puissantes pour pouvoir répondre. C'est ça. Voilà, c'est logique. Non, c'est vrai. Mais écoutez, j'attends qu'il arrive en ville, parce que le patron de l'armurerie, déjà, ça fait quelques jours qu'il n'est pas venu. Ah, si, monsieur... je l'ai vu hier.
Idelaïr, putain, j'ai dû le rater. Ouais. Faut savoir que Monsieur Pulse s'est fait kidnapper il n'y a pas très longtemps. Il a des moments où il a des petites rechutes. Hein, donc, ah oui, normal. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est normal, il n'y a pas de souci. Il faut le prendre avec des pincettes, quoi. Certaines fois, il a, après, des, il a des choses qui lui remontent. C'est compréhensif. Voilà. Hein. Oui, après, c'est normal, il n'y a pas de souci, c'est normal. Ok, ok, bah, écoutez, bah, c'est pas pour ces infos, donc c'est bon, je verrai ça avec eux, je vous remercie. Et du coup, bah, c'est bien, Aiden, t'as retrouvé ta plaque, du coup. Ouais, j'arrive. Excusez-moi, bougez, monsieur. Oui, 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 il a retrouvé sa plaque, le jeune. Ouais, parce que quand je l'ai rencontré, on était à Paléto, je crois, pour l'inauguration du concert moto, là. Ah, peut-être. Et puis, pas... à ce moment-là, il avait pas sa plaque de flic. Non, non, il a... Flic il... Et, Tout à fait, il a perdu sa plaque pour raison qui ne vous intéresse pas. Et il l'a retrouvé, oui, certaines personnes ont fait le forcing pour le récupérer, dont moi-même, parce qu'il fait partie de mon unité quand même. Donc j'ai pas envie de perdre mes agents, surtout pour de la merde. Ouais, voilà. Ouais, je suis sûr. Donc voilà. Ok, bah écoutez, bah, je vous remercie en tout cas, puis je vous souhaite une bonne soirée. C'est avec plaisir. Bonne soirée à vous aussi, messieurs, bon courage. Bon courage à vous. Avec plaisir. Ils ont pas été là de ça. Ils sont comico. Ah bah voilà, nickel. Bon, allez. Bon, je vais faire un petit peu de run. Putain, il est minuit en plus. Ouais. Moi aussi, hein, frère. Au moins, on va faire ouais. Allez, 10, 20 sacs. Est-ce que j'en fais, moi? Sinon, tu montes avec moi dans le camion, au cas où. Comme tu veux. Je suis à combien moi de sacs? Sinon tu m'aides à faire les sacs. Attends, je suis à combien? Toi t'es à 200, c'est bon. J'ai pas envie de conduire en fait. Bah, sinon tu montes avec moi, vas-y. Hein. Attends, 110 plus 70 plus 51. Ça fait 231. Donc j'ai plus. Vas-y, je monte avec toi. Attends, je t'ouvre. C'est ouvert. Et allez! Et bravo, on est plus blindé, ça y est. Allez, vas-y. Après, je vais essayer de voir aussi avec le gouvernement pour avoir des cagoules. Cagoules autorisées quand on travaille pour pas qu'on nous reconnaisse. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Au pire, tu vois, à chaque fois qu'on a Ah putain, j'ai oublié de prendre ma tenue. C'est pour ça que je peux pas les prendre. Attends, je peux les prendre si tu veux. Ouais, mais bon, vas-y, c'est en rigueur. Mais je te les mets dans le coffre. Ouais, mais de toute façon, je pouvais pas vendre. Faut que j'aille mettre ma tenue. Non, vendre, tu peux, il me semble. Ouais, hier, je pouvais pas hier. Quand je suis venu te voir. Oh putain, ils ont mis une animation et tout. Ouais, bah ouais, ça y est, ouais. Tu veux prendre ta tenue du coup? Ouais, bah ouais, sinon je pourrais pas. Quoi? Ah, je peux monter derrière? C'est trop stylé! Ouais, bah ouais, tu peux. Hein. Même sur le côté, je crois. En vrai, c'est ça, tu devrais rester, tu sais, il y en a un qui conduit, un qui reste à l'arrière. C'est ça, mais c'est comme ça que font les mecs. Bah ouais. Ils sont même trois des fois, même. Bah, de toute façon, ils sont trois, je crois. Après, ce que je veux, moi. Ah oh, putain, je sais pas comment faire. De quoi? J'ai plein d'idées en fait pour la Brinks. Ce que j'avais pas pour les vignerons, tu vois. Genre avoir des gilets pare-balles, genre oui. Faire en sorte que ce soit nous qui transportons les impôts. Tu conduis ou? Ouais, vas-y, je vais conduire, okay. T'inquiète, c'est simple de toute façon. Attends, je vais essayer. Voilà. Tu descends, moi je fais juste... C'est ça. Je fais juste le transporteur. Tu peux t'attacher derrière? Ouais, ouais, je suis attaché. Je vais demander voir si on pourrait pas faire un truc comme ça.
t'es genre avoir des cagoules et tout bah, ça. Ouais, t'es... Après, de toute façon, si c'est autorisé, le patron il fait la tenue et hop. Hein. Vas-y, essaie de te mettre. C'est bon. Merde, à chaque fois je me trompe. Non, mais c'était. Et au pire, si jamais les SPD veulent les nanter, à chaque fois qu'on recrutera un nouveau gars, on va les voir, on dit voilà, nouvel employé pour la Brinks. Telle personne. Ah, mais attends, moi aussi je peux récolter. Tu peux récolter aussi. Attends, je vais voir. J'ai le point qui est encore actif. Monte à l'avant. Ouais, je peux récolter aussi. Ben vas-y, on fait deux points, mec. Vas-y, hein. Ah bon. Nickel. On fait point, ça va aller encore plus vite. En une demi-heure, on a fait un point. C'est ça. Et t'en as combien, toi, de sac? Bah là, je suis à 1. Et j'en ai 2 dans le camion. Ah, dans la semaine. Ah, je sais pas. Mais j'ai pas beaucoup. Hein. Je dois avoir 110 peut-être. Je vais regarder, attends, tu vas conduire après. Ouais. Par contre, ce qui m'énerve, c'est le fait que tu puisses pas garder l'arme en main. Ouais, bah ouais. Ça, ça me saoule. J'aimerais bien avoir tout le temps l'arme. Mais on peut pas. Voyons voir. T'as combien, toi? La calculatrice. Ouais, t'as plus que. Plus 40, c'est ça, c'est toi, ça, ouais. T'es à 141. Oh, bah ça va en fait. Ah merde, mon inventaire est plein. Pourquoi? Déjà plein? Putain. T'as pas des trucs dedans? Bah j'ai 5 sacs quoi. Ouais bah c'est ça. Hein. Enfin des fois je peux en mettre 6 suivant ce que t'as sur toi. Allez, on va essayer de Après, ce qui sera bien, c'est quand si un jour on est poursuivi, on a le droit de pas s'arrêter. Ah bah oui, clairement. De aucun respecter aucun feu, rien. Ah bah oui, on a le droit de toute façon. En plus, on ça va aller plus vite, en une demi-heure tu vas faire tes 100 sacs. Hein. Bon, c'est ça. Après, on va faire un tour dans la grosse banque là, avec les 4 points. Et hop. Enfin, la petite banque avec 4 points. Mmh. Souvent, je fais toujours, on va dire, les mêmes endroits, mais pas dans le même sens. Ah, moi aussi, centre ville. Ouais. Après, je fais tout le nord. Et après, un petit peu où il y a la banque, et hop. Au moins 2, c'est cool. Bah on est plus sécure quoi. Bah ouais. Ouais, j'ai 7$ sur moi mec, je suis riche. En gros, le truc qu'il faudrait faire pour faire de belles scènes, mais bon, là on s'en fout. C'est genre, t'es quand on est deux, celui qui conduit il reste, moi ouais, je récupère. Bah, c'est ça, ouais. Et toi, une fois que moi j'ai récupéré, toi tu descends, je prends ta place, etc. T'es, ça serait trop stylé. Vas-y, essaye d'aller à l'autre point à gauche, trace après. Ouais, oh, t'inquiète. J'ai vu bugger. Oh, un autre Brinks. Ouais, l'autre fois je croyais que c'était un nous. Ouais, je croyais que c'était un patron, moi. Ouais, mais non.
Allez, mais monte, pourquoi je peux pas monter? C'est ouvert. Voilà. Ben non, c'est plus ouvert. Non. Bah, ouais, bon, je sais pas, en gros, c'est ton vécu, il te veut pas quoi. Attends, il m'a dégagé. Puis une fois sur Y, vas-y. Là, c'est déverrouillé, mais attends, il m'a dégagé tout seul le bonhomme. Enfin... Ouais, je sais pas, c'est chelou là. Tiens, regarde. C'est eux, ouais. À chaque fois, tu me défonces, toi. T'attends pas que je me gare. On s'en fout, on est à la Brinks, mec. Ouais. T'as pas le droit de te garer, tu veux. Ouais, mais attends, je veux dire, tu restes ici, je suis pas fan. Ouais, oh, c'est des petits rigolos, on dirait. Oh, ouais, les petits rigolos, je connais. Bon. Non, bon, moi, j'ai pas pu me mettre. Je prends, je pose. Voilà, c'est bon. Putain, inventaire plein. Vas-y, je te laisse dans le véhicule. Oula. S'il veut jouer, qui va le... qui va être le plus fort. Ah, moi, par contre, je te préviens, je vais pas rigoler avec eux. Ah, bah non, mais t'inquiète pas. Ils refont ça, ils refont le coup qu'ils viennent de faire là une fois. Ah, bon, je prends le gun. Je sors le gun direct. Après, tu klaxonnes et tu leur fonces dedans. Non, 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 même pas. On était en dehors, après, on sortait le gun. Oui, voilà. Moi, je te dis, je fais avec le gun. Hein. Je fais, attendez, vous êtes trois, ça fait, vous nous suivez, vous êtes garés devant pour vous nous empêcher de passer. Monsieur, nous, notre patron s'est déjà fait braquer 2-3 fois, moi, c'est mort. Hein. Vous m'aurez pas, hein. Je préfère vous mettre une balle dans la tête. Hein. Je bute, hein. Moi, j'ai rien à foutre, hein. J'ai pas de pitié. Hein. Mon perso, maintenant, c'est devenu un connard. Hein. Là aussi c'est bien, deux petits points, hop. Et c'est bien à deux en fait. Bah ouais. Hein. Après ce qui est chiant c'est que du coup on a qu'un seul camion pour 50 pour ah 50 ouais. Sacs. Mais sinon ça c'est pas mal. Mais ça va plus vite. Bon alors maintenant je me demande, est-ce que je vais mettre, je fais le mec gentil, je les compte pour toi ou est-ce que je me les compte pour moi les sacs? Tu veux, en pire tu c'est toi qui vois. Hein. Non, je prends pas les couilles, j'en ai. Au pire, sur les... Au pire tu fais 30, je fais 20 comme ça. Ouais, voilà. Ça me rajoute un peu pour pas qu'ils disent que j'ai rien branlé et toi ça te monte un petit peu. C'est ça. Parce que bon, si le mec il voit que t'as fait un run, que j'ai rien foutu de la soirée alors que j'ai pris le salaire, il va me faire rien, monsieur. Ah, t'as oui, foutu de ma gueule. Bah si, le salaire il est déduit. Hein. Ouais. Ah tiens, attends, je voulais voir un truc d'ailleurs aussi qu'on peut voir sur GTA Online. Je sais pas si on peut le voir sur le GTRP. Hop. Ah, on peut. Alors c'est quoi le truc qui m'a coûté? Ah, c'est ça. Ok. C'est ça. De quoi? Tu vois les transactions? Ouais. Ok. J'avais presque 100 000. Hein. Ah oui. J'avais presque 100 000, frère. J'ai plus 100 000. Ah, tu vas là-bas, toi? Ah non, il te dit d'aller là-bas, il faut aller là. Va à gauche, faut aller sur ce point. Enlève le point. Ouais, bah il se met tout seul. Ouais, moi je l'enlève tout le temps, c'est ici qu'il faudrait. Des fois, il te met même des points où t'as déjà été, t'sais. Tu sais. Ah ouais, c'est point. Ça, là, c'est un point où on était déjà allé. Mais moi je le suis jamais. Moi ça dépend. Des fois ouais, mais des fois ouais. Par contre, toi aussi, tu l'as plus le limiter, le régulateur? Je sais pas, j'ai pas testé, attends. Si, je l'ai encore. Putain, bon, il marche pas. Ah,
C'est la touche mage. Faut celle pour courir. Non, celle de dessus. Ah ouais ? Le cadenas, ouais. Ah bah c'est pour ça alors. Attends, on tient plein. C'est pour ça alors, ça marche plus. Vas-y, ouais, essaye. Il devient vert en fait, le logo. Que dalle, ouais. Quand t'appuies sur le cadenas, ça marche pas. Non. Ah, c'est chaud. On va nuire sa mère. Oh, une voiture jaune. Ouais, mais ça, ça arrive deux fois comme ça. Ça, je sais qu'il y en a certaines qui spawnent comme ça. Pas loin même de la petite banque, pas loin du Comico, là. J'ai jamais été chercher l'argent ici. Chaque fois, j'ai... Moi, je l'ai vu tout le temps, moi. En fait, tu veux, pour avoir tes 50 sacs, t'es obligé de te passer par ici. Putain, j'ai 40 640 $. Richesse. Ouais, j'étais à 80 000, frérot. Ça pique un peu le cul, je vais pas te mentir. Alors, attends. Et là, bah, on a juste à remonter. Ouais. Et j'ai envie de faire un truc. Ah, désolé, monsieur. Ça va, nous, on a rien. J'ai jamais encore emmené à la réparation. Moi non plus. Pourtant j'avais pris un mur une fois. À cause des bugs, t'es à cause des freezes. Ouais bah ouais. J'ai pu s'être téléporté et contre un mur. J'ai fait Ah bah moi une fois je suis tombé dans le vide, tu sais, ça fait le tombage du vide là. Ouais, et j'avais pas de kit de réparation sur moi. Ouais mais tu risques rien. Il est vraiment bien dès le bordel. Je crois qu'on peut vendre un véhicule de Brinks. On dit qu'on se les fait voler. On va éviter. Hein. Non, en plus c'est chiant, ça coûte 90 ans. Hein. Grave. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais essayer de les récupérer lui pour aller le vendre. Vas-y, vas-y. Enfoiré, il est lourd. Toujours là, ouais. Ouais, après, est-ce que je peux l'ouvrir? Nickel, vas-y, va retester. Hein. Je continue mon run et j'arrête de chercher, sauf si ça marche pas. Après peut-être que je l'ai... vu que je l'ai cassé peut-être... Non, non, mais non, je l'avais pas cassé quand je l'ai pris. Non, non, quand tu l'as pris, il était neuf. Alors, où est-ce qu'il y en a? Pas très loin. Tiens, ici. Ah non, putain, c'est l'unicorne. Vas-y, je vais voir si c'est pas quelqu'un, c'est jamais. Moi, je vais même pas à l'unicorne, ça sert à rien. Je sais qu'il est fermé, mais... Ouais, je sens rien. Je vais aller pas trop loin. Je vais à la station au-dessus là. Comme ça, s'il faut venir te rechercher où il était garé. J'aime bien ce. Putain, j'ai envie d'en acheter un. Ouais, il est pas mal, hein. Il est stable, il roule vite. Bon, après, il a amélioré un peu, je pense. Mais il est quand même bien, même de base. Je me l'étais déjà pris dans une ancienne ville. Putain, ce véhicule n'est pas vendable, mais pourquoi? Oh. Pourquoi il me fait ça? Après, on a essayé avec un que des véhicules, ça c'est un véhicule de joueur, on est d'accord? Ah oui, oui, clairement, bah oui, t'as vu ce qu'il y a dedans. Faudrait peut-être essayer avec des véhicules de moldus. Hein. Ouais.
Peut-être qu'en fait il s'est trompé et qu'il prend pas les autres véhicules. Ouais, mais ça serait chelou. Je pense, hein. Parce que c'est impossible sinon. Au pire, faudra qu'on essaye un jour. Encore, je veux bien que mon camion de merde, il le veuille pas, je comprends. Mais ça, ça vaut 40, entre 40 et 50 000 cas. Non, bon, on testera un jour quand il n'y a pas grand monde, un après-midi ou un matin vite fait, je testerai. Voilà, c'est bon, je l'ai reposé là où il était. Ok, bah, j'arrive, je suis pas loin. Attends, je me mets devant. Pour pas que tu repasses derrière quand même. C'est un lieu de vol de véhicules quoi. Voilà, je suis devant. Chier, merde. Je vais me faire de la thune. Bah ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve, j'arrive pas à comprendre. Oh, je vois de ces bugs, mon pote. Ah ouais? Ah, j'ai vu un de ces bugs, mon pote, tu transportais un panneau. Normal. Vas-y. Va à gauche là. Ouais. Attends, faut que tu les fasses, moi je les ai déjà fait, moi. La petite station, je l'ai faite. En vrai, c'est ce que j'ai envie de faire. Donne-moi le chalumeau, je vole une voiture, on roule à deux. Non. Ah non, c'est jamais. Je dirais que c'est la voiture de ma grand-mère. Bon, par contre, l'animation, elle est pas très belle. Hein. C'est pas grave. Il fouille le sol, c'est pas... T'avais fait que la petite station là? Ouais, j'ai vu la station et celui-là à gauche là. Ah ok, allez, bah, je le récupère. Saute John, saute! Ah non, il saute pas, putain. Après on va aller... De toute façon il y en a plein ici. Tac tac, après on remonte. Pof. Allez, let's go. Attends, je peux. Ouais, gros! Ouais, je peux. T'as vu en plus, maintenant on peut rentrer dans les coffres aussi. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas comment on fait, mais on peut rentrer dans les coffres. On peut mettre des types dans les coffres, du coup. Si on le kidnappe. Bravo, bravo! Allez. Même pas fermer la porte. T'as bien, referme-toi. Referme-toi, bordel. Voilà. Ah, même pas, putain. Ferme. Oh putain, nique ta mère. Quel... Eh, hey, mais on est... Oh, inventaire plein de chier. Mais on est à 38, hein. Ouais, ça va. Franchement, faudrait... En fait, on va le faire à deux à chaque fois. Au moins, on fait un camion pour toi, un camion pour moi, un camion pour toi, un camion pour moi. C'est allé tellement plus vite. Maintenant. Bah là on a un côté là-haut. Là. C'est bon. Après il y a la banque avec les 4 points. Nickel. Et après au pire, on verra avant non. C'est que sur le PC, je me suis fait un itinéraire pour chaque jour. Ah ouais, bah, c'est ouais. Bien. J'ai pris en photo les points. Ouais. Et je me dis, je pars comme ça le lundi, comme ça le mardi, comme ça le mercredi, comme ça le jeudi, comme ça le vendredi. Non, c'est cool. Hein. Il y a que le dimanche où je travaille pas. Ouais, non, mais c'est cool. Le dimanche, je fais pas de run. Par contre, je vais jamais dans le nord. Genre Saint-Denis, tout ça, j'y vais jamais. Non, ouais, jamais aller. Des fois, je dépasse pas la ville, de toute façon. Si, moi, des fois, par contre, je vais sur l'autoroute à gauche, regarde. Ouais, j'ai le premier endroit, tu vois. T'as 1, 2, 3, 4 points et 2 collés, tu vois.
Moi j'y vais pas là. Souvent je vais là-bas quand même. C'est une banque, il y a plein de ponts. Et Giro pas loin. Je sais pas si c'est MS ou... Là le trajet qu'on est en train de faire là maintenant. Ouais. Mon trajet du jeudi. Ah. Passe comme ça, passe ici. Tu vas voir, le trajet il est tout con. Mais à la fin tu finis avec plus de 50 sacs à chaque fois. Ah ouais. Donc souvent tu finis avec 50 sacs dans ton coffre et 5 sacs sur toi. Ouais, ça va. Mais là bon, comme on est tout seul, on pourra pas faire le trajet en total. Non, t'inquiète. On fait celui-là, après on en fait encore un là-haut. On fait la grosse banque et hop, on va vendre. C'est dommage, je me réveille quand même à 7h. Putain, inventaire plein. T'es deg, hein. T'es deg. Oh, bon, de toute façon, on a 42, c'est bon. Moi, ouais, je te dis, on est bien. Bon. Après, je vais lancer vite fait GTA Online. Lancer la roue en espérant putain que je la bagnole. Parce que franchement, j'en ai marre. Ah bah ouais. Toi, tu chopes toutes les bonnes caisses. Ça a abusé. Ouais. Si, il y a juste moi, le 4x4, j'ai pas réussi à choper le 4x4. Ouais, ça va, le mec il a une F1, il a une super sportive. Ouais. Moi, j'ai eu quoi? Des RP et un t-shirt. Ah, foutons de ma gueule, allez. Ah, ça c'est coup de chance, hein, c'est le casino. Quoi, je l'ai même pas touché. T'as défoncé le poteau. Moi, je l'ai même pas touché. On va devoir payer. T'imagines. Il est crade. À moi que je fais. Je vais ici, après je vais en bas, après je vais à la grosse banque. Et après souvent je vends. Ah ouais. Bon là on fait ici et la petite banque et hop. De toute façon on sera au maximum alors. C'est quand même mieux à deux hein, quand même. Bah t'es plus sécurité en bah, fait. Ouais. Ah putain je vais pas pouvoir, inventaire plein. De toute façon le camion il va être plein, 46. Je pense qu'on fait la banque et ça va être bon. Mais ouais, moi ça me fera 5 pile poil. Nickel. Au revoir. Maintenant c'est ouvert pourtant. Vas-y. Bah, ça me dit que c'est parfait. Vas-y. Putain. C'est trop blindé ces camions. Tiens, c'est l'autre fois ici, j'ai cru que c'était un de nous. En fait, non. Quand t'arrives, à chaque fois, il part. Je me gare jamais comme ça, moi. Sache-le. Ouais, mais c'est mais t'attends jamais, toi. Ouais, c'est bon, j'ai pas le temps. Hein. Moi, à chaque fois, je me gare proche, tu vois, au cas où. Tellement bien cette banque. Ah c'est la meilleure. Quoi inventaire plein? C'est dégueulasse. Alors. Ah ben voilà. Ah bah oh. Le deuxième. C'était les débits comme ça. Ça sera le débit de ton compte. moi je suis plein, hein, c'est bon, on peut aller vendre. Moi aussi on va aller vendre. J'en ai 4 et 50 dans le camion. Du coup on fait 25-25. Non on va faire 30-20. Ok. Je t'en laisse 5 d'avance. Pour que tu puisses avoir un petit. Wow, un peu plus quand même. Genre comme l'autre fois, je pense, hein. 10 000 dollars. Quoi qu'on pourrait faire, hein. Parce que c'est moi qui ai payé le point là, hein. Ouais, bah, au point n'importe. Non, mais je m'en fous, je rigole.
Le point, même si c'est moi qui le paye, c'est pour nous deux. C'est pour que nous on puisse faire de la thune derrière. En vrai, j'aurais pas pu le payer, j'ai que 10 000. Enfin, 18 000. Ben, moi j'avais 80 000, j'ai plus de 40. Ça commence à être la pauvreté. Demain, je vais avoir, je pense, encore 10 000. Il va te filer 10 000 de paye, tu penses? Ouais, comme le fond. Bon, par contre, ferme les yeux, c'est ce que je fais tout le temps. Et lundi. Parce qu'en fait, ça fait chier et les poubelles, elles t'empêchent de vendre. Et si lundi, encore la prime. Encore 10 000. Ah, ben lundi, pareil, je vais y aller, moi j'ai pas eu la première. Ouais. Faut y aller direct, hein, parce qu'en vrai, il y a le nombre de gens qu'il y a, c'est horrible. Par contre, putain, ça m'énerve, on convoqué là par la LSPD. Bon, attends, ils disent ça, mais attends, s'ils sont comme leur enquête. Allez, pousse-toi. Ah, oh, y'a plus le point. Tu l'as? Non. Mais dans la match, t'as vu, ils l'ont réduit ou je sais pas quoi. Vas-y, va essayer d'aller devant avec le camion. Ouais. Enfin, j'espère qu'on y a accès quand même. Bah, sinon, je vais appeler, je vais demander besoin d'aide. Hein. Bah, ouais, hein. Qu'ils nous ouvrent la banque. Qu'on ait accès à la banque, hein, parce que. Ah, c'est ici. Tu peux ici, mais le point il est presque pas visible. Ou alors, attends, moi je veux dire que je suis pas d'accord. Je vais leur dire là, le point il est quasiment pas accessible, il y a pas un. Bah attends, on se met de l'autre côté. On se met de l'autre côté. Mais non, on peut pas. On peut pas. Non, mais on dit qu'on a plus accès à de l'autre côté, on s'en fout d'ici, tu vois. Ici c'est pas trop RP, tu vois. Enfin, ça fait pas ouf. Ouais, mais là, le temps qu'ils viennent et tout. Non, mais viens, on se met de ce côté là. On leur dit que là le point il est plus très logique, il a été déplacé où il y a eu un bug et qu'il est au niveau d'un banc. Ouais. Et qu'avant il était derrière au niveau d'un truc, c'était plus logique. C'est ça, faut prendre un screen. Ça ils font pas chier sinon. Vas-y, c'est de prendre un screen du coup. Ouais. Je prends un screen d'ici. Tu me l'envoies. Oh non, garde-le au pire, garde-le et on va aller dans. Maintenant on va dans besoin d'aide si tu veux. Ouais, attends. Pour ça, en même temps qu'on vend, au moins on est tranquille, tu vois. Vas-y, attends, j'y vais, tu viens après? Ouais, ouais. Je prends les deux screens, de l'autre côté aussi. Vas-y. Tu me dis dès que c'est bon. On avait plus rien à vendre ici, ta gueule. Ah bah, j'ai trouvé. De quoi? Comment on fait pour aller dans le coffre? Tu laisses appuyer sur eux, tu fais rentrer dans le coffre. Ok, nickel. Vas-y, on va, il a besoin d'aide. Attends, c'est pas ouvert, hein, manque.